Je m'appelle Félix Philippard, je suis comédien, metteur en scène et coach d'acteur. J'ai commencé chez moi en Normandie, j'ai fait le conservatoire là-bas et puis après je suis venu faire la manufacture de l'acteur à Paris. Après ça, j'ai commencé à donner pas mal de cours. J'ai monté une compagnie que je dirige toujours qui s'appelle la compagnie PAF, qui tourne encore sur Paris beaucoup avec de l'improvisation et du théâtre forum. La manière dont je travaille, c'est que justement par rapport aux lectures et aux mises en jeu qu'on a fait plus tôt dans l'année, je leur demande ce qui leur a plu et ce qui leur a moins plu. Et après, moi, soit j'écris, soit je fais un montage de plein de scénettes différentes parce que je pense que c'est toujours compliqué de trouver une pièce déjà écrite qui déjà en termes de distribution correspondent au nombre d'élèves que j'ai, pile poil, et en plus qui plaisent à tout le monde. J'ai pas de ligne pédagogique bien définie, je fais vraiment en fonction de mes groupes et de qui les compose. Je ne dirais pas que je suis bienveillant parce que j'aime pas ce mot-là, parce que je sais pas ce qu'il veut dire. Je dirais que je suis patient et que je suis à l'écoute. Dans tous les cas, vraiment la première partie de l'année, j'essaye vraiment de fédérer le groupe au maximum, de faire en sorte que ce soit pas des individus mais qu'il y ait un ensemble. Et je passe assez rapidement sur des lectures de plein de textes et de plein d'auteurs, parce que comme c'est des amateurs, souvent, ils n'ont pas beaucoup de culture théâtrale et c'est pas grave du tout, on est là pour ça aussi. Et ça leur permet de découvrir certains auteurs, certains styles, et après de choisir, quand on réfléchit à la pièce qu'on va monter après, de dire bah moi j'avais bien aimé ci, j'avais moins aimé ça, etc. Donc ça nous permet de travailler comme ça. Ouais, je leur dirais de pas se faire trop de soucis, de pas se poser trop de questions. Profites-en parce que de toute façon, j'interdis à mes élèves de revenir avec moi une deuxième année. Je leur dis toujours, tu fais une année, puis après, je veux plus te voir, va voir un autre prof, va vers une autre pédagogie. Donc, profites-en.